va? Allez, gars. Il y avait un coach qui était là avant. Aujourd'hui, c'est plus facile quand ça ne marche pas de faire partir le coach. Mais les responsabilités sont partagées et chacun doit prendre sa responsabilité. C'est très important que tout le monde puisse s'associer à ce mot-là, parce que ce mot-là va faire la différence par rapport à toute la saison qu'on va avoir. Le respect qu'il faut avoir avec le staff médical, le staff technique et tous les gens qui travaillent dans ce club-là. Je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas, mais chez moi, c'est très important. Pour l'instant, on n'est pas à la place que le club voudrait être. Et certainement la place que vous voudriez être. Parce que, en début de saison, ce qui était dit et ce que voulait le club, c'est jouer les play-offs 1. Aujourd'hui, c'est encore valable. Être une équipe, ça veut dire que tout ce que l'on fait, on doit penser qu'on le fait ensemble. Vous êtes un employé du club, et employé du club, ça veut dire des responsabilités. Le joueur de foot dit toujours, oui, mais j'ai le droit, mais vous avez aussi des devoirs. Quand tu rêves de quelque chose et que tu atteins ton objectif, à un moment, il ne faut pas se dire, ok, je suis arrivé, c'est bon. Non. Il faut se dire, je veux encore plus. S'il y a un joueur ici qui pense qu'il est arrivé et c'est fini, il n'a plus sa place ici. Quand je suis sur le terrain, je joue pour gagner. Je n'ai pas de copains, je n'ai rien. Quand vous êtes joueur de foot au Standard de Liège, il y a un certain comportement, il y a une certaine agressivité que tu dois avoir dans le jeu. Et moi, je veux ça. Et ça commence aux entraînements.